Bon, also die nous pouvons get un nouveau chapitre, nous pouvons get chapitre Dynamics. Ok, et Dynamics les concerne avec forces. Ok, si nous comparons avec chapitre dernier qui nous fait Kinematics. Kinematics li, nous pas expliquer de la force du tout, c'est un the study of motion, c'est-à-dire nous pouvons étudier comment genre nous pouvons analyser comment un objet peut bouger. Nous savons un thème comme accélération, vélocité, displacement et distance, et que nous essayons d'apprendre comment analyser un graphe. Mais Dynamics, ok, équation que vous savez, souvent c'est F is equal to ma. Donc, ouais, les concerne avec la force. Ça veut dire comment la force crée motion, basically. Bon, première chose qui m'a envie. Les autres, c'est Newton, ce Three Laws of Motion. Correct? Donc, tu as la First Law, Second Law avec Third Law of Motion. Astéaf, laisse-moi stater avant. Et là, après, on peut expliquer ce donc, First Law, j'ai un nœud comme ça qui est. An object will continue to move in, sorry, will continue to be in a state of uniform motion or rest unless acted upon by some external resultant force. Donc, je peux dire hein, que ça, uniform motion là, en vrai, c'est constant velocity, ça. Ok. Rest veut dire velocity 0. Donc, je peux dire comme ça que un objet pour tous les temps, soit reste en place. At rest, soit les pouboser in a straight line at constant speed. In a straight line at constant speed veut dire constant velocity ça. Ok? Donc soit les pou at rest, soit les pouboser avec constant velocity. À moins qu'il y ait une certaine resultant force là. Ok? Une resultant force pour faire les si at rest, les resultant force ça pour faire les commence bouser. Et si tu peux bouger avec une certaine vélocité, résultat de force ça pour faire ce vélocité changer. Puis on va donner un exemple concret. Donc, nous devons connaître que sa first law là, it gives us, first law là, it gives us a qualitative definition of a force. Qualitative veut dire pas aucun chiffre. Il ne peut pas permettre de calculer la force qu'un objet a expérimenté. Mais les idées nous comme ça qui ouais, and la force est un agent qui peut change the state of uniform motion au rest of the body. Correct? Donc, c'est-à-dire, it tells us that a force is an agent that can change the state of uniform motion or rest of a body. Ok, bien bon. Donc, maintenant, de suite, laisse-nous procéder to the second law of Newton, second law of motion. Li, que vous trouvez, li pour permettre nous calcule la force là même. Li. Ça veut dire ça, il peut donner toi une quantitative definition of a force. Bon, qui la loi là, il dit li, il dit comme ça que the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the
resultant force on it, and it takes place in the same direction as the resultant force. Donc, encore une fois, Lily gives a quantitative definition of a force. Gives a quantitative definition of a force. Donc, j'étais à comprendre que vitesse qui momentum d'un objet changé est proportionnel to qui résulte une force qui est dans le correct. Donc, en d'autres mots, si je doublais la résultante force, ça veut dire rate of change of momentum pour doubler. Si je triplais la résultante force, ça veut dire rate of change of momentum pour tripler, etc. Donc, laisse-nous écrire les en équation. Donc, rate of change of momentum is proportional to resultant force. Maintenant, plus tard, nous pouvons guetter qui est un momentum. Parce que là, je ne sais pas même connaître qui est un momentum, mais cause momentum avec ça. Ok? Donc, plus tard, nous pouvons continuer ça. Nous pouvons continuer depuis sa bout là. Ok? Laisse-moi finir cause avec ça, le momentum. Mais c'est bon, laisse-nous continuer, laisse-nous guetter un coup Newton ce third law maintenant qui était. Bon, Newton ce third law, longtemps comment tu peux citer ça? Tu peux dire que for every action, longtemps tu peux dire comme ça, for every action, there is an equal but opposite reaction. Donc ça les concerne à la force, c'est-à-dire que les montrent que tout le temps la force existait en pairs, tout le temps la force existait comme à deux, c'est-à-dire un pair. Il est un peu ambigu là sa définition, sa façon qu'il m'a dit, il n'a pas trop compris. Donc une meilleure façon pour stater c'est ça, c'est nous dire que when body A exerts a force on body B, then body B exerts a force of equal magnitude on body A, but in the opposite direction. Après, tu as ajouté both forces are of the same type. Ok. Donc, laisse-nous guetter un coup de faire un dessin comment ça a été. Tu as deux bodies, body A et body B. Ok. Donc, il faut que ma décision tape. Quand body A tape à body B, c'est qui arrive. C'est body B experience and force à droite et en même temps body A peut experience and force à gauche. Ok, donc remarque bien que ça arrow bleu là il sorti depuis objet B, il originé à objet B. Ok, arola li pantus arola so so tail pantus objet ali. Astèr pou aro en marron là, so tail pantus objet B, so tail intus objet A. Donc li pe aklo objet A. Donc ça, la force là c'est force
of object A on object B. Correct? Vous comprenez bien. Force of object B. Sorry, force of object A on object B. Par contre, ça, la force marron là. Force of object B on object A. Donc, je me crée là. Donc, ça, c'est quoi? C'est force of object B on object A. Hazel, le fait qu'il me écrit on object A là, veut dire qu'il peut accueillir l'objet A. Ok, il peut accueillir l'objet A. Mais c'est moi qui a fait qui crée à la force là, c'est objet B. Ok. L'île A, la fausse là, mais c'est moi, c'est objet B qui crée la fausse là. Ok, c'est bien, comprends ça bien. Donc, ce qui nous remarquait, c'est FAB is equal to minus FBA. Par exemple, si FAB est 5 newton, et FBA qui peut être. Donc, FBLI minus 5. Correct? FABLI 5, FBLI minus 5. Ça, minus là, il montre qu'il existe dans opposite direction. Ok? Donc, tu les dis 5 newton, mais seulement. Donc, c'est-à-dire magnitude of FAB. Il paraît comment? Il paraît comment? Magnitude of FBA. Alright? Magnitude paraît, mais seulement cette direction opposée. Astéa, vous pouvez aussi trouver qui dans la third law là, nous disons qui, nous disons ça, nous disons qui, both forces are of the same type. Oui. Donc, dans ce cas-là, c'est contact force qui nous peut causer. C'est-à-dire, quand ça deux objets là, ils tapent ensemble, il y a un contact entre eux, non, mais the type of force qui, dans ce cas-là, c'est contact force. Ok, mais other types of forces qui n'a. Other types of forces qui n'a. Ok, tu as gravitational force, tu as frictional force, tu as electric force, ok? Et tu as une magnetic force. Ok. Et t'es là, nous étudions contact force. Allez, nous guettons l'exemple de gravitational force. Un petit coup. Donc, ça, c'est simple. Tu as une masse. M1, tu as une masse M2. Comme ça, là. Ben. Tu as la force of attraction. L'eau, ça a des masses là. Donc, ça me rappelle F2, 1. Ça me rappelle F1, 2. Donc, F2, 1, ce meaning, c'est force of mass 2 on mass 1. Et F1, 2, ce definition, c'est force of mass 1 on mass 2. Ok? Alors, encore une fois, c'est une application of Newton's third law parce que tu as de la force à cette valeur pareille, cette grandeur pareille, mais c'est moins cette direction opposée. Moi, je viens de trouver. Allez, nous avons un troisième exemple. C'est frictional force. Donc, frictional force, quand nous gagnons ça, c'est quand un objet peut. Gaëtan, on glisse l'autre camarade. Par exemple, il y a une boîte l'eau simée là. Une boîte l'eau chemin. Donc, boîte là, bouge à droite. Motion à droite. Et friction. Il y a des frictions là. Il y a une friction qui l'eau boîte là lui-même. Qui peut opposer ce motion. Et
point de friction qui est au chemin là. Qui beaucoup m'a. Et donc, si je m'appelle sa boîte là, objet A, sa ground là, objet 2, donc sa friction là, je vais appeler F2, 1. Maintenant, je vais appeler F1, 2. Donc, F2, 1, c'est quoi? C'est force of ground on object. Force of ground on object. Et F1, 2, c'est force of object on ground. Et qui nous connaît à propos F12 et F21? They are negatives of each other. Encore une fois. Et allez, nous avons un dernier exemple. Nous avons un exemple de electric force maintenant. Ok? Donc, electric force, ça nous c'est dans la force qui existait en bas de charge. Ça. Par exemple, il y a une charge Q1 là, une charge Q2 ici. Ok, fait que moi, j'ai un positive charge, j'ai un negative charge. Donc, opposite charges must attract. Ok, donc c'est quoi attract? Et encore une fois, c'est Newton's third law qui est en jeu. Comme voilà. Ok? Allez, bien bon. À ce stade, je te rappelle que Newton's second law là, je ne pas encore fini. Je ne pas encore cause là bien. Parce qu'il ne pas encore introduit the idea of momentum. Mais sans tarder, sans tarder, laisse-nous get un code qui momentum veut dire. Correct? Donc, momentum qui veut dire. Donc, momentum is the product of mass and. Ok, donc symbole for momentum c'est pi, petite lettre p. Autrement, qui me met arrow, arrow là veut dire que quantité là c'est un vecteur. Par exemple, ça, momentum. Momentum c'est un vecteur quantity. Velocity aussi c'est un vecteur quantity. Ok. Donc, sa masse là, il est scale. Alors, ça montre nous que velocity et momentum tous les temps dans la même direction. Ok. As the unit of momentum, c'est the unit of mass for the unit of velocity. Donc c'est kilogramme meter per second. Donc, par exemple, an object of mass 5 kilogramme moves in this direction at a velocity of 10 meter per second. So the momentum is 50 kilogrammes mètres par seconde. Et direction momentum là, les mêmes, les pareils comme la direction velocity là, c'est-à-dire comme ça. Ok? C'est la direction là. Ok là. Ça, nous avons aussi convexe motion in a straight line. Quand nous faisons motion in a straight line, là nous bien capable de dire que ouais, à droite c'est direction positive et à gauche c'est direction négative. Alors là, quand un objet bouge à droite, ok, c'est un objet de kilogrammes qui bouge à droite avec une vitesse m par seconde. Là nous disons ce momentum c'est 2 fois n. Correct. Mais si jamais objet là type bouge à gauche avec une speed de 3 mètres par seconde, la momentum type toujours masse fois velocity 2. Maintenant velocity il était il est moins 3. Ok. Donc, les négatives. À ce stade, il y a aussi le concept d'un change in momentum. Donc, là, nous avons un changement. Correct? Donc, faire comme on va dire, initially, il y a un objet
des kilogrammes qui fait bouge à droite avec un speed 3 mètres par seconde. Correct. Et finally, ça même objet là, ça même objet là peut bouger à gauche avec un certain speed de ok 2 mètres par seconde. Ok. Donc, nous avons initial et nous avons final state. Donc, nous avons calculé change in momentum si nous voulons. Donc, pi initial, je m'appelle l'unique pi. Donc, c'est mu. Pi final, c'est mv. C'est 2 fois moins 2. Voilà. This is P final. So the change in momentum. C'est P final minus P initial. Donc moins 4 moins. P initial qui était? P initial c'est 6. Ok. Donc moins 10. Correct, the change in momentum li moins 10. Et ok, c'est une fini comprendre le momentum un petit peu. Et à ce stade, nous venons le Newton sur second law là encore une fois parce qu'il nous skip ça, nous skip li en partie là. Donc Newton second law of motion, il y a nous comme ça qui the rate of change of momentum is proportional to the resultant force on the object. Correct? Donc, as the rate of change of momentum, qui était ça? C'est dp by dt. Et connais qui dp by dt, il est presque pareil comme delta pi by delta t. Mais delta pi by delta t peut donner juste un average rate of change. Si tu as envie que the rate of change at one instant in time, at one point in time, c'est dp by dt. Ok? C'est dp by dt. Voilà. Et maintenant, on peut exprimer sa momentum là as mass fois velocity. Voilà. À ce moment-là, comme on let m be constant. C'est-à-dire, dans cette situation-là, fait que ma masse de cet objet-là, il reste constant. Il va pas changer. Masse-là reste constant. Mais quand masse-là reste constant, il y a une carte chez Lyon DO. Chez Lyon DO. Donc, c'est une m fois dv by dt. C'est proportionnel à f. À cette dv by dt, c'est accélération. Donc, m is proportional to f. Correct. Donc, si je remove constant of proportionality, sorry, si je remove proportionality sign, donc à remplacer par une proportionality constant k. Donc, kf is equal to ma. Voilà, ça c'est une formule. Maintenant, au fait, c'est qu'arrivé, ça k là, ce valeur c'est 1. Ok? Qui fait ça k là, ce valeur c'est 1? Parce que, par définition, 1 newton is the force that causes an object of mass 1 kg to accelerate at 1 meter per second square. Ça c'est définition de n, c'est définition de 1 newton ça. C'est définition de 1 newton. 1 newton, c'est-à-dire c'est un quand un objet là qui a une masse 1 kg. Mais quand tu appliques en la force 1 newton au lit, mais automatiquement sur accélération pour 1. Ok, ça c'est définition de what it means to be 1 newton.
Ouais. Alors, ça veut dire quand F lit 1, M lit 1, BLA et lit 1. Donc, si nous remplaçons ça dans cette équation astérisque-là, donc l'effet K for 1 is equal to 1 for 1, which implies that K itself is 1. Donc, quand K1, elle a juste F is equal to MA. OK? Elle a juste F is equal to MA. Donc, F is equal to MA. Voilà. Bon, ça, c'est une équation qui, parfois, on appelle ça Newton's second law of motion. Mais en fait, j'ai bien connu qui, Newton's second law of motion, c'est ça. Correct. Et là, c'est à partir de ça qui nous capable de derive F is equal to MA. C'est là qui vient avant. F is equal to MA, là, il vient après lui. Correct. Donc, aussi le fait que K is equal to 1, si vous get ici là direct, donc, moi, je vais remplacer ça, proportionality sign là, pas juste equal to, parce que les 1, constant là, les 1. Alors, force, nous allons définir comment, the rate of change of momentum directement. Ok, c'est que ça là, force is equal to rate of change of momentum. Donc, c'est une question qui demande define force. What is force? Force is the rate of change of momentum with time. Ok, bien bon. Donc, à ce stade, nous avons une question qui moi-même pour inventer là. Mais là, plutôt, nous avons une question Cambridge même. Mais dans tout ça, une question qui vous montre les résultats là. Vous remarquez que soit vous avez servi F is equal to MA, soit vous avez servi F is equal to the rate of change of momentum with time. En fait, ça a la même affaire comme on a fait trouver. Donc, garde ça bien dans la tête. Soit F is equal to MA, soit F is equal to change of momentum low time taken. Ok, bien bon. Et donc, par exemple, si tu as un slant, and ramp et qu'il y a un objet le ramp là là mais objet là définitivement il peut glisser mon personne peine à friction en rien là pour l'instant donc comme ma chum qui peine à friction qui peut arriver objet là peut glisser maintenant il peut glisser avec une certaine accélération. Pour nous trouver cette accélération-là, nous allons faire F is equal to MA. Donc avant, laisse-nous identifier la force. Donc, tu as N la force qui acte vertically downwards. C'est mg. Ça tout le temps. From the center of mass. Après, dans ce cas-là, tu as N deuxième la force qui acte l'objet là. From the surface of the ramp. Ça, on appelle ça the normal reaction qui nous appelle air. D'accord? C'est la force qui tient de Hakala. Peine à friction. Friction est type acte parallèle au plane, nali, mais la peine à friction. À ce stade, deuxième step, c'est beaucoup résolve dans. Ça a deux perpendicular directions là, x, y. Ok. Donc, si tu regardes bien, ça la force est là. L'île est déjà dans y direction, donc pas besoin de résoudre. Par contre, la force mg ici là, l'île n'est pas dans y direction, ni dans x direction, alors nous allons casser l'île. En deux mots, nous allons résoudre l'île. Donc, nous allons résoudre dans les deux directions là. Alors.
tête, un aller pour dans direction négative y et tête aller pour dans direction négative x ici. Ok. Donc, ce qui est bien, ça l'angle là, il est 30 degrés ça. Ça l'angle, il est 30 degrés. Allô, sa composante là, il est pour mg cos 30. Et sa composante ici là, il est pour mg sin 30. À ça, c'est carré. C'est ça, et là, sa réaction là, sa normal réaction là, il est pour égal à sa mg cos 30 là. Qui fait hein? Parce que l'objet là, il n'est pas bougé du tout. Dans direction y ou minus y, non? Objet là, qu'il fait aller. Il slide along the plane. Quand il slide along the plane, il n'est pas bougé du tout in the y direction. According to our definition of y, là, hein? Y c'est ça, ça. Ça c'est x. Allo, et là, vous avez la mg cos 30. Ça, c'est une affaire. Astia, il y a une autre fois, ça, c'est ça, mg sin 30 là ici. L'équipe cause accélération along the ramp. Donc, nous appliquons F is equal to ma là. Donc, c'est mg sin 30 is equal to ma. Là, nous allons calculer E. Donc, nous allons cancel ça ici là. Donc, E égale à g sin 30. Voilà, c'est comme ça que nous avons accélération là. C'était ça égale à 9,8 N fois 0,5 égale à. Donc 4,905. Donc 3SF divine 4,9 N. Ok. Mais en général, accélération li pou G sin theta li. Cos theta c'est angle of inclination of the ramp. Ok. Astea, nous avons un deuxième exemple. Côté ici. Et la friction. Donc. Find acceleration of object along plane B. Cette fois-ci, on a trois la fausse qui a clos boîte là. Trois la fausse qui a clos boîte là. Première la fausse, c'est mg. So wait. Deuxième la fausse, c'est normal reaction. Et troisième la fausse, c'est friction de Newton. Donc, nous devons résoudre juste mg là. Donc, mg, quand nous résolvons dans cette direction là, il mg cos 40. Quand nous résolvons dans cette direction là, il vient mg sin 40. À ce n'est oublié, perpendicular to plane. Perpendicular to plane in a equilibrium. Mais parallèle to plane, pas nécessairement in a equilibrium. Donc nous appliquons F is equal to MA parallèle to the plane, même là. Donc, c'est-à-dire MG 540 retiré 2 égale à MA. Ok. Donc, 10 fois 9,8 N. Fois 540 retiré d égale à 10 et donc a pour égale à 10 fois 9,8 n fois 540 retiré 2 divisé par 10.
6 points n meter per second squared. Correct? Maintenant, nous vous une question que nous pouvons plutôt appliquer F is equal to delta P by delta T. Ok? Allez. Donc, a ball moving at a speed 10 mètres par second collides with a wall and rebounds at a speed of 8 meters per second. Bon, boule là, une masse 10 kg. Et après, nous aussi connaissons qui time of collision. C'est disons 20 millisecondes. Let's define the average force acting on the ball during the collision. Bon. Voilà. Ça c'est wall. Ça c'est boule. Ou initially, c'est qui est arrivé? Initially, objet là peut approcher Mirai là. À qui speed? À une speed de 10 mètres par seconde. Ok? Et là, objet là, qu'il fait? Des colons Mirai là. Donc, during contact. During contact, on fait un petit dessin là. Avec l'objet là, il arrive ici et les coller les colons Mirai là. Correct. Pendant combien de temps qu'il les colons Mirai là, j'étais là à danser 20 millisecondes. Et là, finally, tu trouves l'objet là, Pébouz à gosse. Finally, tu trouves l'objet là, Pébouz à gosse. À qui speed qu'il bouge à gauche? 8 mètres par seconde. Allez. Bon. Tu sais qu'on est qui? Quand vous là en contact au Mirai là, il y a de la force qui est en jeu là. Il y a de la force qui est en jeu. Et la force, ça c'est qui Mirai là experienced. Et la force qui boule là experienced. Et là, tu as Newton ce third law qui est en jeu. Mais nous, nous avons envie de calculer la force au boule là. Nous. Alors, what is the average force on the ball? C'est the change of momentum of the ball divided by the time taken. C'est-à-dire mv minus mu divided by time taken. Mv minus u divided by time taken. Masse qui était? Masse de boule là c'est 10 kg. Bien bon. Final velocity qui était? C'est pas 8. C'est moins 8 parce que l'IP bouge à gauche. Initial velocity, Lily? 10. Initial velocity, Lily, 10. Time taken, Lily, 20. Fois 10 la puissance de moins 3 secondes. Donc, laisse-nous calculer ça un petit coup là.
Nous gagnons moins 9000 newtons. Et que les mecs sens qui répond ça négatif, parce que la force le boule là, les actes à gauche, pendant qu'il boule là, il ne t'a pas mis là. C'est d'accord avec moi? Le passager là, guetta. Boule là. Experience and force à gauche. Mais la force ça négative donc. Mais Miraïla qui la force experience li. Plus 9000 newton. Ok, boule experience moins 9000 newton. Miraïla experience plus 9000 newton. Donc, then, nous avons dit comme ça ici qui. The ball experiences a force of 9000 newton opposite to the initial direction of motion. Ok? Ok, bien bon. Ok, à ça nous get une autre question. Nous get une autre question à ça. Donc, a ball is thrown vertically upwards at a speed of 20 meters per second from a height of and mid. It strikes the ceiling which is at a height of 5 meters for 200 milliseconds and starts moving downwards at a speed of 1 meter per second. Donc, find the average force exerted on the ball by the ceiling. Ok? Bon, il y a pourtant que vous comprenez cette situation là. Je vais faire un dessin là. Je vais faire un dessin. Donc, faire comme ça, c'est flow. Donc, il y a une boule qui est à une hauteur de 1 mètre. Et boule là peut monter à une speed de 20 mètres par seconde. 20 mètres par seconde. Là, les bouts tapent au ceiling, là, les bouts tapent au plafond. Monter, après vous tapez au plafond. Et combien de temps il reste en contact avec le plafond là, c'est 200 millisecondes. Ok. Et là, jusqu'à il finit de taper au plafond là, il descend. Et à quelle speed qu'il descend? Il commence à descendre à une speed de 1 mètre par seconde. Ok. Et tu te trouves force qui savent plafond là, in exert, l'eau boule là. Pendant qu'il n'est pas au lit. Bon, ce qui te besoin, Ena,
Ce que tu as besoin d'imaginer, c'est un initial avec un final situation. Initial situation là, c'est quand boule là, il est just about to hit the ceiling. Just about. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore touché le ceiling là. Mais il peut tousser là, il peut taper un petit moment là. Mais à cet instant là, quelle speed qu'il est là? Mais au commencement, c'est une speed 20 mètres par seconde. Après, il monte, non? Et il monte à une distance 4 mètres. Là. Donc, qui se final speed était? Après qu'il monte sa distance 4 mètres là. Donc, nous avons V square is equal to V square plus 2as. V, c'est nous pas connaît. U, les 20. E, c'est minus 9.81. Et que S c'est 4. Donc V égale à. V égale à. Nous avons un coup de V qui est égal à là. V peut égale à. Nous avons gagné 17.9 mètres par seconde. Ok? Ça veut dire là, ce speed qu'il était là, just before hitting the ceiling, ce speed c'est 17.9 meters per second. Then you get final situation. Ok. Donc final situation c'est quand boule là, in bend depuis ceiling là, et que l'épée commence bouge en bas. Et que nous disons qu'il commence bouge en bas à une speed de 1 meter per second. Correct. 1 meter per second. Alors, il a tapé au plafond là avec un speed 17.9. Et il bend depuis plafond là un speed de 1. Alright? Ben, nous regardons nous what is the average force that it experiences in this process. C'est-à-dire pendant qu'il y a un contact au ceiling là. Mais delta pi by delta t. M delta v by delta t. Bon, masse, je ne vais pas dire malheureusement, je crois. Bon, nous allons mettre une masse au lit là. Hein? 5 kg, ok? Donc, c'est 5 fois. Delta v, c'est quoi? C'est final velocity. Which is minus 1, minus initial velocity, which is 17.9. Ok. Time taken during the collision, c'est. On va un petit coup là. Voilà. 200 millisecondes. Donc. Moins 473.17 newton. Mais est-ce que ça, ces réponses-là, ça? Au fait, non. Ça, c'est pas réponse-là. Parce que ça, la force qui est calculée là, c'est total force qu'ils expérimentent ça. Pendant qu'ils ont contact avec ceiling là. Ben, nous avons minus ce weight pour nous faire force due to the ceiling only. Donc, ça veut dire F total, ça veut dire F total, c'est mg plus force of the ceiling. F total, qu'il était. C'est ça, c'est calculé là. Donc, ça implique que force of the ceiling on the ball is equal to. Sorry. Mg là, c'est-à-dire
Négative, hein? MG là est plus négatif parce que MG acte downwards. Allô? Allô? Ça pouvine? Moins. Plus. 5 fois 9 par 8. Donc, nous guettons un petit coup de là, hein? Voilà. Donc, this is the force of the ceiling on the ball. Pour résumer, quand sa boule là tape au ceiling là donne une force of what? Ceiling là donne une force of 424.22 newton.